Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Alchimie des Veilles. Donc aujourd'hui avec Abel, une toute petite vidéo pour vous montrer un petit peu l'avancée des choses avec les bananes que vous avez vues précédemment dans la vidéo d'avant. Dans la vidéo d'avant, en fait, il y avait ces trois régimes de bananes en fait qui étaient au sol. Et c'est vrai que si elles mûrissent au sol, bah en fait ce qui se passe c'est que les bananes en fait s'écrasent. Donc l'idéal ce serait de laisser mûrir justement ces régimes sur le bananier. Mais ce n'est pas évident, il n'est pas possible souvent, tout simplement parce que en fait les oiseaux et les insectes mangent en fait les bananes qui mûrissent. C'est pour ça en fait que les gens ne les laissent pas mûrir donc sur les bananiers. Donc ce qui se passe c'est que en fait ils les coupent avant et ils les laissent mûrir, voilà. Mais l'idéal ce serait de laisser mûrir sur le bananier. Donc pour pas que les bananes s'écrasent, en fait j'ai fait une structure en bois. C'était pour vous montrer un petit peu, ça m'a pris on va dire un petit peu la journée, le temps de faire un aller-retour magasin de bricolage et avoir tous les éléments parce qu'il a fallu aussi faire la découpe du bois. Je vous montre un petit peu la structure. Ça c'est la mienne, hein. Je l'ai fait un petit peu, c'est une structure maison. Ça c'est des choses que vous n'achetez pas au magasin de bricolage, donc vous êtes obligé de le faire vous-même parce que sinon vous ne pourrez pas accrocher les bananes. Régime des bananes. Donc j'ai acheté aussi la ficelle, mais une ficelle qui n'est pas trop rigide pour pouvoir faire en sorte justement que ça n'écrase pas en fait, ça ne coupe pas trop les bananes. Voilà. Donc là en fait ces bananes vont mûrir tout doucement. On aura juste à prendre en fait les bananes qui seront arrivées à maturité. Et le mieux en fait c'est même de mettre un film que vous trouvez au magasin de bricolage qui est en fait un film simplement de protection. C'est assez fin. Vous demandez au magasin de bricolage, vous trouvez ça. Pour ceux qui n'ont pas la possibilité, vous pouvez mettre une moustiquaire par exemple, ça aussi ça marche super bien. Vous mettez ça, vous filmez en fait le régime de bananes avec. Voilà. Et c'est bien parce que ça respire aussi et ça empêche justement que les insectes puissent aller en fait un peu manger les bananes. Parce que dès que c'est rentré dedans, en fait, on ne peut plus consommer ces bananes-là. Et c'est dommage. Voilà. Donc, c'était la suite avec Abel. Maintenant, on peut commander plusieurs régimes de bananes. En fait, on va les laisser mûrir. Au fur et à mesure, en fait, on va racheter d'autres régimes qu'on mettra, qu'on accrochera, pour que ça puisse mûrir tranquillement. Voilà. Alors, donc, voici la suite des régimes de bananes. 5 jours après, on va dire juste après la première vidéo, j'ai installé en fait des voiles autour des régimes de bananes pour éviter. Voilà. On va attendre un peu. Désolé, nous sommes pas très loin d'une route, donc il y a beaucoup de circulation en ce moment. Je vais essayer de parler assez fort. Donc j'ai installé des voiles sur chaque régime de bananes pour éviter justement que les oiseaux et les insectes en fait s'attaquent aux bananes qui mûrissent en fait. Et en fait c'est simplement une moustiquaire que j'ai découpé pour pouvoir mettre autour. Donc je vais essayer d'enlever au moins une ou deux moustiquaires pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne au niveau des bananes. Donc voilà. Donc vous voyez un peu ici la différence en fait du mûrissement des bananes. Et toutes mûrissent au même moment. Voilà.
Celles du haut commencent à vraiment devenir assez mûres, et par contre celles du bas, vous voyez, elles prennent un peu leur temps. Ce qui est intéressant, parce que ça évite qu'il y ait une tonne de bananes d'un coup à manger, mais là déjà il y en a un petit paquet, mais comme elles ne mûrissent pas au même moment, ça permet de commencer à manger celles qui sont au-dessus et finir tranquillement en fait avec celles qui sont en bas. Voilà. Donc il y en a quelques-unes qui commencent à se détacher, vous voyez, avec le poids, parce que dès que ça mûrit, en fait la tige se fragilise un peu. Alors bon, c'est là, je vous montre un petit peu, c'est deux petits oiseaux qui sont passés ce matin, picorer, voilà, Carolina et ma petite fille, et une autre petite fille, je dirais même, qui sont passés ce matin prendre une banane pour le petit déj. C'était pour notre petite fille. Hein. Donc ici par contre, en fait elles prennent un peu plus leur temps sur ces deux régimes là, mais c'est pas du tout la même variété de banane aussi. Donc vous voyez, c'est pas du tout la même variété de banane. Celles-là, elles sont plus petites, toutes petites, et là vous avez des bananes un peu plus grandes en fait. Ici, sur ces deux régimes là, en fait, les deux régimes de droite, vous avez en fait des régimes qui sont des bananes qui sont plus grandes. Mais elles prennent un peu plus leur temps aussi pour mûrir. C'est assez étonnant de voir ça. On a l'impression des voiles pour des mariés. C'est énorme. Voilà, ça traîne jusqu'au sol. C'est impressionnant. Mais ce qui est intéressant en fait avec cette moustiquaire, c'est que c'est vraiment, ça protège très très bien des insectes. Donc merci à vous d'avoir regardé encore une fois de plus cette vidéo, et à très très bientôt sur notre chaîne, voilà, pour de nouvelles aventures. Bon, je vais essayer de ne pas vous montrer des bananes qui mûrissent tous les jours, mais on va essayer de parler de sujets un peu plus intéressants la prochaine fois. Voilà, très très belle journée à vous et à très bientôt. Au revoir sur notre chaîne.